On a mis beaucoup de moyens et sans doute d'enthousiasme sur ce deuxième rendez-vous. Conditions de course quasi exceptionnelles avec un ensoleillement parfait, une température, c'est vrai, chaude par endroits, mais là, lorsqu'on passe à vélo dans ces fameuses zones boisées, on en profite pour se rafraîchir un petit peu parce que devant, l'allure ne manque pas de train ni de rythme.